Taylor Guitars, aujourd'hui dans Tone Factory, une guitare hyper impressionnante. Sûrement une des guitares qui m'a le plus impressionné en acoustique ces dernières années. Franchement, un instrument presque intimidant, tellement il est impressionnant et tellement il a une réserve de puissance monumentale, on va le voir dans cet épisode. C'est une guitare sublime déjà, une forme que vous connaissez, on va en reparler un peu plus tard aussi. On avait parlé de la AD12 de chez Taylor il n'y a pas très longtemps, elle est juste derrière moi. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode exactement de la même façon, avec les mêmes micros. Donc si vous voulez comparer les deux guitares, vous pouvez le faire, c'est vraiment le même setup. En attendant, musique. C'est vraiment la guitare folk américaine, voilà, par définition, c'est vraiment là, on est dans le dictionnaire, quoi. Guitare folk, voilà, c'est ça, c'est ce son, en tout cas, c'est le son que j'ai dans la tête, moi, quand j'ai envie d'entendre une guitare folk, c'est à tomber par terre, franchement. Là, j'avais du mal à m'arrêter. S'il n'y avait pas la vidéo, c'était des riffs et des suites d'accords qui pouvaient durer 3 heures. Quand je l'ai eu à la maison, d'ailleurs, ça a duré 3 heures la première fois que je l'ai joué, parce que, au-delà d'être intimidé, après, j'ai commencé à me prendre au jeu et à comprendre la guitare, et... Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est incroyable. Je vous disais, intimidant, ça ne veut pas dire difficile à jouer, mais quand même, quand on commence à jouer la guitare, les premières notes qu'on fait, c'est très impressionnant. Donc on n'est pas aussi à l'aise qu'une guitare voilà, très facile, comme l'était par exemple la AD12. Il faut le dire, derrière moi, qui était hyper, hyper facile. Là, on a un très, très bon manche, une lutherie d'enfer, mais la guitare en voit tellement que voilà, c'est à mettre entre des mains qui connaissent la guitare acoustique déjà assez bien. Alors cette puissance incroyable, ça donne envie forcément de jouer fort au médiator, des gros accords comme je le faisais, mais forcément aussi, qui peut le plus, peut le moins, on peut jouer très très doucement, notamment au doigt, ça marche très 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 bien. Thank you.
Un régal, hein. Même au jeu au doigt, là, franchement, je m'en lasse pas, c'est absolument magnifique à jouer. Je suis sûr qu'il y a des chansons à l'intérieur de la guitare, j'ai envie de mettre un micro devant, enregistrer, me poser dans mon studio, parce que c'est vraiment la guitare parfaite pour ça, pour écrire les chansons, s'accompagner, ça sonne vraiment comme dans les disques, c'est le son qu'on a dans la tête, encore une fois, c'est sublime. Alors, on va parler un petit peu de lutherie et de l'aspect technique sur cette Taylor. On a une table en épicéa, voilà, en Sitka pour être plus précis, qui est magnifique, franchement. Au-delà des vernis qui mettent bien en valeur tout ça, parce que franchement, là, c'est aussi la perfection à ce niveau-là. C'est hyper fin, hyper élégant. On peut imaginer la guitare dans 10, 20, 30 ans qui va vieillir comme il faut, avec la belle patine qui va bien. Alors, on a aussi l'éclisse et dos en palissandre, ça c'est un grand classique, mais pour le coup, c'est hyper bien sélectionné chez eux. À chaque fois que j'ai une guitare aussi dans les mains de chez Taylor, je trouve que les pièces de bois sont particulièrement belles. Donc là, c'est encore le cas pour cette 417 sublime. On a un manche à cajou, cette magnifique tête Taylor avec ce superbe logo. Le système ES2, on y reviendra. Voilà, expression système 2 que j'adore. On en avait parlé aussi pour la AD12E. Et puis au niveau de ce design iconique, hein, le round shoulder, les épaules voilà, qui sont rondes, là, qui tombent un petit peu, voilà, qui est emprunté à la J45 Gibson, voilà, mais à la sauce Taylor. Parce qu'à l'intérieur, on a ce V-Brass, le barrage en V, qui fait vraiment la différence. Je vous en parlais aussi pour cette petite guitare derrière moi, dans l'autre vidéo qu'on avait fait. C'est vraiment, plus je les joue, voilà, plus c'est des guitares qui font la différence, je trouve, avec ce barrage, qui sont très puissantes, très faciles à jouer, notamment en groupe. Ça sort du mix, ça perce le mix, comme j'aime bien dire. C'est des guitares voilà, qui ont la réserve de puissance nécessaire pour s'exprimer et aussi pour jouer à bas volume. Je pense que ça doit quand même beaucoup aider. Voilà, tout ça rassemblé, on a une guitare à tomber par terre. Voilà pour ce expression système 2. Voilà, l'électro-acoustique, c'est très important aussi. Cette guitare le fait très bien. C'est un système qui marche franchement sur toutes les Taylor. Et puis, on va se quitter avec un jeu en open de sol. Je vais prendre mon bottleneck. On va faire un petit peu de blues. Vous allez voir, évidemment, ça marche mortel. De toute façon, cette guitare, c'est tout faire. J'ai pas besoin de vous le montrer. Vous avez vu dans cette vidéo, ça marche à bas volume, à haut volume, en blues, en folk, en tout ce que vous voulez. C'est un instrument extraordinaire. Et encore une fois, hyper impressionnant, j'étais très content de vous montrer ça et de vous partager ces sensations. Allez essayer ce sublime instrument en magasin, ça vient de sortir, c'est dispo un petit peu à droite à gauche, posez-vous sur un tabouret avec la guitare, vous allez voir qu'on se remet en question, et puis surtout, bah, on sait ce qu'on veut comme guitare acoustique. Voilà, en tout cas, c'est le cas pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Tone Factory. Ciao.